Et avec lui, j'avais eu des lundis fous pendant 2 ans. On se voyait le lundi parce que c'était le jour de fermeture de son salon. Je vous avais pas dit, il travaillait dans la coiffure. Ah, oh, c'est amusant. Figurez-vous que moi aussi, je ferme mon salon le lundi. Avant, je fermais le mardi, mais c'est tellement moins commode pour le week-end. Hein. C'est quoi vos prénoms ? Sa femme a appris notre liaison par le premier shampooineur. Tenez-vous bien, elle a tenté d'électrocuter avec un séchoir. Oh là là ! Mais écoutez, moi, dans un autre genre, j'ai eu les polyvalents dans mon salon de beauté pendant 3 jours. Et c'est quoi vos prénoms ? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Alors, il a été très chic et puis il m'a dit, ma petite Gisèle, pour sauver notre amour, il faut qu'on se quitte. Oui, il a très bien fait. Est-ce que moi, c'est Jean-Claude, mon prénom ? Vous allez voir, vous allez très très vite vous remettre, vous, ici. Ne serait-ce que le châtain, là-bas. Il vous plaît pas ? Ah non ! Ah non, non ! Non, vous voyez, je les préfère avec 50 plus. Ensuite, très distingué, Jean-Paul Newman. Et puis surtout, avec les tons plus légèrement dégarnis. Alors là, ma chérie, écoute... Non, moi, je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais je les aime grands, exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi, quoi. Allez, ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non, mais ça va pas bien derrière! Il a un malaise, le peignoir! Ça tape là, hein, d'un coup. Je vais me baigner. Malhonnête! Vous pouvez me frapper? Quelle malhonnête! Alors, on ennuie les dames? Passe la balle!